spunem bine ați venit la Roma, la Plastixul nostru. Orașul Roman, un oraș care mie mi este foarte drag și sunt convins că și după ce îl veți vizita și dumneavoastră, veți găsi foarte multe locuri și oameni care să vă determine și pe dumneavoastră să vă îndrăgiți poate cel puțin la fel de mult și să reveniți cu drag la noi. Je m'en beaucoup et je suis sûre qu'après votre visite et après votre rencontre avec les gens de Romand, vous serez aussi enchanté par notre ville et vous reviendrez avec plaisir. Alături de mine se află doamna viceprimar a municipiului Romand. Voilà, madame Roxana Iorga, qui est le premier adjoint du maire. Domnul secretar al municipiului Romand, domnul Gheorghe Canariu. Doamna City Manager, doamna Gabriela Petrea. La manager de la Vin. Domnul consilier personal Dan Frizehan. Și consilierii locali, o parte de fapt dintre consilierii locale ai municipiului Roman. Alături de alți colegi din primăria municipiului Roman. Un apel de rom, tot un colegă de la Merită Roman. Pentru început, vă propun să urmărim un film care arată câteva dintre cele mai importante obiective și activități, după care vă voi oferi câteva detalii care să mă aducă mai aproape de noi rămâșcare. Welcome to Roman, a wonderful city located in the heart of Moldavian region. We invite you to discover Roman, a city that respects its history, develops the welfare for its people, and also builds for the future. In Roman, you will find a community over 70,000 warm souls that follow their traditions. A constantly changing city, but with balanced people who enjoy everything that surrounds it. The Roman city has an active preoccupation to promote its image by organizing events that attract many volunteers. In this way, young people manage to evolve. Coolfest, the GROW program, Mushatini Association activities, or Max Brecher Festival are only a few of the events that draw to Roman the spirit of youth, culture and enthusiasm. In terms of education, the school network in Roman includes schools of different specialities: humanities, technical, commercial, arts, sports and religion. Roman Emergency Hospital is the most important medical unit in the city, servicing its inhabitants and neighboring areas. After the investments made in the recent years, city healthcare system now provides a wide range of medical services for diagnosis and treatment. From an investments point of view, Roman has recently experienced a great dynamic. Roman municipality has become an important commercial hub for the Moldavian region. In 2017, Holcim Cement Terminal was opened. Roman is a central node where logistic deposits of Lidl, Profi and Somaco have developed to optimize regional distribution in the northeast of the country. In addition, there are the companies with renowned brands such as Cersanit or ArcelorMittal, and an increase in the labor market was achieved by the opening of ZF Crew facility for airbags production in Roman. Companies with local tradition as Agrana, Caremil, Marsat complement and support the local economy. Since 2014, the hydropower plant 1 on the Moldavian River provides the energy for the entire public lighting services in Roman. On a local level, there is a continuing concern to ensure support and the safety of the population. The Butterfly House, daycare center for socially vulnerable children, and the Grandparents House, residential center for the elderly, are the pillars that provide all the support for the disadvantaged people to live a good life. The Roman Municipal Park, for Mateusz Forest, is unique in Europe for the diversity of its deontological species. Since 1994, the city park has been declared an area protected by law.
Moldova Sports Complex includes the swimming center, 3 swimming pools, one for children, one for beginners, and a third one with Olympic dimensions. Every summer there are parties and sports competitions. The complex also has a picnic area, playgrounds, rollerblade tracks, bicycle tracks, fitness space, and a multifunctional stage. The city of Roman has a strong sports infrastructure, represented by 2 stadiums, 2 multi-purpose halls, an athletic hall, a swimming pool, 2 mini football pitches, 6 tennis courts, and 21 gyms. The cultural and artistic activities revolve around the George Radomelidon Municipal Library and the 4 museums, the History Museum, the Art Museum, the Museum of Natural Sciences, and Hogash House. Many Romanian personalities of the Middle Ages or of the Modern Age were born, lived, or they just stopped for a while in Roman. You are welcome to come to meet us, to better understand why this blessed place in the heart of Moldavia makes us, wherever we live in the world, to always proudly say, I am from Roman. Come and discover the city of Roman. Iar în ultimii ani ne-am dezvoltat destul de mult din punct de vedere economic. Atragerea investitorilor, dar și prin prisma faptului că suntem într-un nod rutier important. Dar și prin facilitățile pe care le oferim, ne-au ajutat să ne dezvoltăm și să reușim treptat să creștem calitatea vieții cetățenilor noștri. Grazie o facilită că ne propoză un OZ investisor, nu s-a primit de rând developei, e da migliore progresivement la calitatea de vie des habitants de la ville. Avem o istorie importantă, fiind unele din puține orașe din Moldova care se poate mândri cu 2 cetăți, cetatea Mușatinilor și cetatea Nouă a Romanului. De la fortăreță, la fortăreță Mușatin, la fortificația la primeridională de la Moldavie, a la fondul du 14e siècle, e la nouvelle fortăreță romană construită par Etienne le Grand. Moldavie, prima atestare documentară datează din 30 martie 1392, iar zilele municipiului Roman se desfășoară anual în perioada 15-21 mai, acum aflându-ne la cea de-a 10-a ediție. Remontă o 30 mars 1392, du 15 au 21 mai, à l'occasion de notre 10e édition. Municipiul Roman este, din punct de vedere demografic, al doilea oraș din județul Neamț și unul dintre cele mai mari municipii din țară care nu sunt și reședință de județ. Demografic, la 2e ville du département de Neamț e l'un des plus grandes municipalités du pays, n'étant pas la résidence de département. Începând cu anul 2014, microhidrocentrala de pe râul Moldova asigură integral iluminatul public din municipiul Roman și după finalizarea acestor lucrări ne dorim amenajarea unei faleze și a unui lac de acumulare care să creeze o zonă de divertisment și de promenadă. Depuis 2014, la microcentrale hydroélectrique de la Moldavie a mis un éclairage complet au public de la ville de Roman. Une vallée de la Moldavie, la vallée de Moldova et le lac réservoir constitueront une zone de promenade et de divertissement. À
avem și o bogată activitate din punct de vedere social, prin Direcția de Asistență și Protecție Socială, asigurând servicii de consiliere, sprijin și îndrumare pentru persoanele defavorizate și s-au aflat în situație de risc social. Au domeniul social, par la Direcție de Asistență Socială și de la Protecție Socială, fournissons des services de conseil, de soutien et d'orientation aux personnes défavorisées ou potentiellement défavorisées. În municipiul Roman funcționează 6 centre sociale, Casa Pâinii, care e cantina de ajutor social, Casa Speranței, adăpost în regim de urgență pentru persoanele aflate în dificultate, victime ale violenței familiale, Casa Vârstnicului, care e un centru de zi cu activitate zilnică pentru pensionari, Centrul Municipal de Acțiune Socială pentru Bătrâni, activități de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în servicii de în situație de criză, Casa Copilului, centru de zi pentru copii aflați în situație de risc social și Casa Bunicilor, activități de îngrijire a persoanelor vârstnice. À Romand, il existe 6 centres sociaux pour les personnes en difficulté, s'appelle la maison du pont, la cantine des soins sociaux, la maison de l'espoir, qui est un refuge d'urgence pour les personnes en difficulté, les victimes de violences familiales, la maison des personnes âgées, c'est un centre de jour, une activité de loisir pour les retraités. Centre municipal d'action sociale pour les personnes âgées, activité de soins à domicile pour les personnes âgées en crise, un foyer pour les enfants, un centre de soins de jour pour enfants à risque social et une maison de grands-parents qui s'occupe avec des activités de soins de personnes âgées. Rețeaua școlară din municipiul Roman cuprinde unități de învățământ de diferite specialități umaniste, tehnice, comerciale, de artă, de sport și religioase. Liceile și colegiile tehnice oferă elevilor 29 de specializări care aparțin filierei tehnologice, vocaționale ori teoretice. Le réseau scolaire de la municipalité de Roman comprend des unités d'enseignement de différentes spécialités sciences humaines, techniques, commerciales, artistiques, sportives et religieuses. Les lycées et les collèges techniques proposent aux étudiants 29 spécialisations appartenant aux branches technologiques, professionnelles ou théoriques. Ce ne sont là que quelques-uns des aspects généraux qu'on a déjà présentés et vous trouverez aussi sur la carte une présentation détaillée. Acestea sunt doar câteva dintre obiectivele generale pe care vi le-am prezentat pe scurt. Vă vom oferi o mapă cu o prezentare în detaliu și sper că odată cu întoarcerea dumneavoastră acasă să aflați lucruri cât mai frumoase despre Roman. Treptat să legăm punți culturale, sociale, economice, care să ne aducă mai aproape și să învățăm cât mai multe unii de la ceilalți. Chez vous, j'espère que vous découvrirez ce qui est le plus utile à propos de Roman et qu'ainsi on enlèvera progressivement de ponts culturels, socio-économiques qui nous rapprochent et apprennent autant que possible les uns des autres. Cele ce urmează, vă invit să vă prezentați și să spuneți câteva dintre primele dumneavoastră impresii. Ulterior, și din partea mass media, dacă vom avea câteva întrebări, o să vă rugăm să le răspundem. Bun, donc, on vous invite à vous faire part de vos premières impressions, si vous en avez déjà. Et pour la presse, ce serait mieux de vous présenter vous-même. Et... Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les collaborateurs de la mairie de Romane, mesdames et messieurs de la presse, je vais tout d'abord vous dire que nous avons une excellente impression depuis notre arrivée à Romane. Donc,
consilier municipal și domnilor din presă. Mai întâi de toate vreau să spun că ne-am format o excelentă impresie despre Roma. Nous avions eu une première rencontre à Lyon lors du colloque sur la, lors du colloque franco-roumain et il y avait déjà eu, on peut dire, pratiquement un coup de foudre pour la ville de Romane. Și delegația franceză. Această întâlnire a avut loc la Lyon cu ocazia colloquiului franco-roman. Și a fost deja un fel de dragoste la prima vedere. Oui. Alors, c'est vrai que nous étions nous avions eu des contacts avec l'ambassade de France qui nous avait préparé parce que l'ambassade de France nous on avait envisagé plusieurs villes et l'ambassade de France nous a dit il y a une ville qui est très dynamique, une ville qui vous ressemble parce que nous avions dit un peu nos critères, une ville qui a un passé industriel, une ville qui est de la même capacité en nombre d'habitants, une ville qui bouge et là l'ambassade de France nous a dit il y a une ville qu'on vous conseille vraiment beaucoup, c'est la ville de Romane, et nous ne sommes pas déçus. Et adevărat că am avut contacte cu ambasada Franței, mi s-au propus mai multe orașe pentru a ne înfrăți, am cerut mai multe date despre fiecare oraș în parte și ne-am fost recomandat în mod special orașul Roman, pentru că există multe similitudini între Roman și Montluçon, din punct de vedere al trecutului industrial, al dinamicii celor două orașe, al numărului de locuitori. Je peux vous présenter en quelques mots la ville de Montluçon, peut-être? Oui. La ville de Montluçon donc est au centre de la France, en Auvergne. C'est la deuxième ville d'Auvergne au nombre d'habitants, 40 000 habitants. Montluçon, care se găsește chiar în centrul Franței, este în regiunea Auvergne, este al doilea oraș ca dimensiune din această regiune, are în jur de 40.000 de locuitori. Une ville, évidemment, qui a été touchée par les désindustrialisations. Hein. Donc une ville qui a baissé en nombre d'habitants depuis les années 68, nous avions donc il y a 50 ans 60 000 habitants, nous n'en avons plus que 40 000 actuellement. Mais actuellement, les entreprises que nous avons fonctionnent bien. Nous avons des entreprises qui sont très connues, telles que l'entreprise Safran Sagem, qui fabrique des drones, qui fabrique également les centrales de navigation inertielles qui permettent aux avions et aux bateaux de naviguer. Au industria foarte bine dezvoltată și anume e vorba despre o firmă de drone, de drone militare și chestia apropo de zavion. Sunt computerele alea de bord care... Computerele de bord care le permit vapoarelor și avioanelor să... Sur les Airbus, voilà, c'est ce qui permet de naviguer, donc c'est un peu le GPS des Airbus, quoi. Nous avons également de l'équipement automobile, des compteurs électriques que l'on fabrique également à Montluçon. Voilà. Et donc une ville aussi, il y a beaucoup d'équipements nouveaux, mais j'ai vu que vous aviez beaucoup d'équipements collectifs tels que la piscine, etc. Nous avons également le plus grand boulodrome d'Europe. Bonjour, vous, la Bertrand. Lansează niște bile, da? Și ei au cel mai mare parc din Europa destinat acestui sport. Et le champion d'Auvergne est Montluçonné. Le champion du monde est Montluçonné. Voilà. En tout cas, nous serons très heureux de recevoir une délégation
de Roman pour faire découvrir également notre ville. Și eu vreau fi parte din delegație, să primim la rândul nostru delegație de Roman ca să ajutăm să descoperim orașul Montluçon. Donc je crois que nous avons sans doute des choses intéressantes à faire. C'est vrai dans le domaine économique, certainement, un rapprochement de chef d'entreprise, sans doute. Nous avons des choses dans le domaine culturel, des choses à voir aussi dans le domaine social, parce que nous avons également des familles en difficulté, et le docteur Renaud qui est là traite tous les problèmes de familles en difficulté. Nous avons beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce domaine et que l'on aide. Nous avons aussi tout ce qui est de l'enseignement et sans doute peut-être des échanges d'étudiants, des choses comme ça. Et nous avons un lycée qui est demandeur pour des échanges aussi. Economic, cât și social, pentru că și la rândul lor se confruntă cu probleme cu persoane fără adăpost și persoane aflate în risc social. De asemenea, vom crea legături culturale și pe probleme de învățământ, dat fiind faptul că au un liceu foarte cunoscut și este doritor să primească elevi români. Dans le domaine culturel et sportif, j'ai vu que vous aviez un conservatoire, donc... Oui, donc vous avez un conservatoire, donc nous sommes jumelés aussi avec la ville de Leszno en Pologne, et nous avons à la fin du mois un concert commun entre le conservatoire de Montluçon et le conservatoire de Leszno. C'est peut-être quelque chose qu'on peut faire avec le conservatoire ici. Sunt deja înfrățiți cu un oraș din Polonia și au creat un eveniment, au făcut un concert împreună și și-ar dori să facă și acest lucru cu cei din Roma. Et puis les jeunes, on est à la veille des élections européennes. Je crois que les jeunes sont appelés à construire l'Europe et sans doute qu'il faut aussi que l'on mise sur nos jeunes avec des échanges entre nos jeunes pour construire l'Europe de demain. Suntem în pragul alegerilor electorale europene și își doresc să călătorească și să construiască Europa de mâine. En tout cas, je crois que nous avons un programme, nous avons beaucoup de choses à découvrir à Roman et nous sommes impatients et très curieux. Nous avons très envie de découvrir tout ce que vous nous avez prévu dans le programme, monsieur le maire. Je crois que le programme est très riche et nous avons hâte de tout découvrir à Roman parce que nous avons déjà eu un petit aperçu et il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir, des choses très intéressantes. Et puis vous avez, je crois, des choses que l'on a envie de voir, comment vous faites, parce que nous avons sans doute des choses à apprendre chez vous aussi. Oui, excusez-moi, je vais trop vite. Știu că avem un program foarte bogat. Astăzi vom realiza multe vizite. Domnul primar s-a ocupat îndeaproape de programul nostru și suntem nerăbdători să descoperim orașul, deși chiar de ieri am început o scurtă vizită. Vă mulțumim. Rugând din partea preției câteva întrebări. Avant de tout, bienvenue à Roman. Je m'appelle Teodora Rissou et je suis journaliste à un journal en ligne qui s'appelle En Roman Pango. Et j'ai deux questions pour vous, monsieur le maire, monsieur le président. La première question, c'est comment est-ce que vous avez fait pour lier votre riche histoire et le modernisme de nos jours? Parce que vous avez aussi de très belles listes, mais aussi vous avez le pop, par exemple, et sont des choses qui font une liaison entre le passé et le présent. C'est la première question. Ces liaisons, comment vous l'appelez? En fait, comment on a réussi à relier tout ce qui est notre histoire, et le hip-hop qu'on a inséré justement au milieu d'aller une boucle, comment on a réussi à mettre tout ça en place.
En fait, oui, le bebop, oui, donc, mais je suis... Donc, vous êtes intéressé de près à la ville de Montluçon. Merci beaucoup. Oui, parce que là, j'étais un peu surpris que vous parliez du bebop. Oui, donc, c'est vrai que donc, nous n'avions pas de musée à Montluçon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manquait. Et ce musée... Et alors, nous avions une grande collection de vielles. Et c'est vrai que c'était dommage que cette grande collection qui existait ne soit pas exposée. Elle était en fait dans le vieux château, elle était sous la poussière. Et donc c'était dommage de ne pas ressortir ces vielles qui étaient entreposées dans le vieux château de Montluçon, dans le château des Ducs de Bourbon. Et donc c'est pour cela que ça a été à l'origine en disant... On a une richesse d'instruments de musique et on n'en fait rien, quoi. Donc c'est ce qui a motivé au départ l'installation de ce musée des musiques populaires, quoi. Voilà. Et donc ce musée a été installé et il est unique d'ailleurs dans son genre et il est très interactif. Donc là où il y a un peu tous les artifices que l'on connaît de moderne pour faire fonctionner de telle façon que ça soit très interactif entre le visiteur et les différents fonctionnements. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Bien, merci beaucoup. Oui. La deuxième question, c'est comment est-ce que vous avez réussi à attirer les investisseurs pour votre ville? Attirer. Les investisseurs, comment on fait pour arriver à mettre en place tout ce qu'on est en train de mettre en place au niveau européen, des investissements. C'est tout un travail autour des subventions européennes et autres. Oui, alors c'est vrai que donc on a eu un air qui était quelqu'un qui avait pas mal de relations au niveau parisien. Donc, et qui est quelqu'un qui a beaucoup bougé et qui s'est débrouillé un peu. Il est ancien directeur de la police, donc il était introduit un peu dans les ministères. Donc, ce qui fait que c'était un peu plus facile parce qu'il avait un réseau de relations. Donc, et il est allé souvent taper aux portes. Et puis, il s'était entouré, il avait quelques collaborateurs bien informés pour les aides européennes aussi. Il a eu beaucoup d'aides européennes aussi. C'est vrai qu'au niveau des subventions, il a eu pas mal de subventions. Et puis, au niveau privé, il a eu un réseau pour faire intervenir, c'est vrai, aussi des gens qui sont venus investir sur Montluçon. C'est le cas notamment pour au niveau zone commerciale où il a pu attirer des gens et de la même façon on va avoir un multiplex en cinéma et là aussi c'est quelqu'un qui l'a attiré un investisseur par son réseau de relations, quoi. Oui. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir un certain nombre de choses. Et puis, on a un hôtel aussi qui a été créé, où on a eu un très gros investisseur. Et là aussi, c'est une personne qui était originaire du pays, mais qu'il allait rechercher et a joué sur le fait qu'il était originaire du pays pour qu'il réinvestisse au pays. Donc, il allait le rechercher plusieurs fois pour faire jouer la corde sensible du pays en disant qu'il faut revenir au pays, investir. Donc, et là, il lui a réussi à lui faire débourser de l'argent pour réinvestir au pays, quoi. Mais c'est de longue haleine, souvent, et puis le côté relationnel, quoi. Voilà. Et nous avons un nouveau maire. Et il aura beaucoup plus de difficultés parce qu'il n'a pas les mêmes relations. Voilà, parce qu'il faut avoir le gros carnet. Et bon, j'avoue qu'on a eu quelqu'un qui avait un gros carnet d'adresse. Maintenant, ça ne sera plus le cas, quoi, parce que ces gens-là, ils ne sont pas les autres.
Donc on a un nouveau maire plus jeune, parce que l'ancien, il fallait qu'il prenne sa retraite quand même, donc... Et ce sera plus dur maintenant, quoi. Voilà, oui. Merci beaucoup. Voilà l'histoire un peu. Oui. Dacă mai sunt din partea presei, alte întrebări. Dacă nu, vă mulțumim foarte mult. În cele ce urmează, alături de colegii mei, veți vizita principalele obiective din oraș și sunt convins că veți avea o ședere cât mai plăcută și cât mai frumoasă la urmă. Vă remerciăm pentru această primă parte și on commence le programme de vizită des objectifs de Romand. Je suis sûr que vous serez enchanté.